les filles, alors, c'est Garni ou quoi? Eh ouais, c'est Lucie la chef, en live, en direct. Alors, on a trouvé des bons célibataires cette semaine, que du lourd. Vous cherchez l'amour, cherchez plus, c'est ici que ça se passe. Alors, on commence en nouveauté avec Jean-René Latope. Il a 18 ans, il est présentateur télé. Il anime sa propre émission, les filles. Eh oui, c'est le plus jeune maire de France. Mais ça, il faut pas le dire. Il recherche une meuf entre 18 et 30 ans. Il aime les lotos, les vide-greniers, les balades en forêt et les galettes fromage saucisse. Alors on n'hésite pas les filles, on l'appelle Jean-René. Nous allons passer maintenant à notre petite nouveauté qui nous vient de Nouvelle-Orient, tout à fait. Jun Tao. Et Jun Tao a 22 ans et 6 dents. Eh oui, il est presseur de citron, apprenti renifleur chez Sephora. Il est doué, effectivement, d'un excellent odorat. Il peut renifler le pied d'un buffle à plus de 400 mètres. Alors les filles, on appelle Jun Tao. Et nous allons finir, les filles, ou les mecs, parce que là, c'est une exclusivité, c'est sur la guerre que ça se trouve, c'est Roberta. Et Roberta, elle a 32 ans. Elle est barbier top modèle, elle est fan de Freddie Mercury. Elle aime les massages, mais pas les deux dans les poils, hein. Elle est phobique des lames. Attention, hein, elle ne supporte pas tout ce qui est rasoir, tondeuse, coupe-chou. Elle cherche un homme de type virtuel, car ses poils se dressent à tout contact réel, charnel. Donc, appelée Roberta. Et voilà les filles, voilà les cums. C'est tout ce qu'il fallait retenir cette semaine dans L'amour est à la guerre.